Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est juste pour nous et rien que pour nous, nous qui parlons cette belle langue de Molière. Et c'est pour tous ceux qui veulent nous rejoindre aussi pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre le phénomène qu'on appelle grand minimum solaire. Il y a le minimum solaire, mais il y a le grand minimum solaire aussi qui vient nous rendre visite. À peu près à tous les cycles de 400 ans, il semblerait. Hein? Donc, selon beaucoup, on est dans un début de grand minimum solaire, ce qui va nous amener des températures vraiment euh, à la baisse pour au moins les 50 à 100 prochaines années. Ceci étant dit, pour comprendre tout ça, pour savoir ce qui se passe partout aussi, on a un bon réseau ici hein, d'abonnés qui ont les yeux ouverts et qui nous partagent. Instantanément, ce qui se passe dans leur secteur, c'est vraiment extraordinaire. Je vous remercie infiniment de cette participation-là, euh, très importante. Et plein d'autres choses. Comprendre les changements qui nous attendent dans nos vies, que ce soit au niveau politique, au niveau social, au niveau économique, financier, c'est vraiment pas, comme dirait euh, ma mère, de la petite bière. C'est quelque chose de majeur qui s'en vient. Êtes-vous prêts? Beaucoup de gens ne le sont pas, vivent dans des bulles, vivent la tête dans les nuages et auront des surprises majeures quand tout ça va se mettre en place et ça va venir très rapidement. J'ai un petit problème de caméra, inquiétez-vous pas, ça va être réglé aujourd'hui, c'est juste un problème de couleur. Euh, on a eu une panne d'électricité hier et c'est venu euh, perturber le, les, les ajustements euh, de couleur de la caméra. Donc, euh, dès que j'ai mon ami qui est disponible ce matin, il va régler ça. On est le 13 juillet 2019, 9h53 du Québec, avec un phénomène étrange qui s'est passé en Corrèze, en France d'ailleurs, partagé par un abonné que je remercie. D'abord, on va aller voir la, cette région-là, Corrèze, ce que c'est, ce que ça mange en hiver. Hein? La France, c'est un grand pays quand même. Même si c'est beaucoup plus petit que le Québec, ça demeure quand même un grand territoire. On connaît et on parle toujours des mêmes régions, mais. Corrèze dans cette région-là, c'est un département en France du sud-ouest de la France du nom de la rivière Corrèze qui court. Sa capitale est euh, Tulle ou Tulle plutôt, et sa ville la plus peuplée, la plus peuplée pardon, est Brive-la-Gaillarde. Les habitants du département s'appellent des Corréziens. Alors le département comprend euh, la plus grande partie du bas Limousin et doit son nom à la Corrèze qui traverse le centre de son cours et traverse les deux villes principales Tulle et Brive. Tulle est la préfecture de la Corrèze et Brive, la Gaillarde, la plus grande ville. Quand tu vois fouiller dans le détail, hein, la géographie, la, 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 la configuration de la France, tu te rends compte que c'est vraiment vraiment un pays très 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 difficile à gérer avec ses euh, préfectures. Ces villes, ces arrondissements dans les grandes villes, ces départements, c'est ces... un vrai cafarnaum, la France. Quand on regarde ça, je ne sais pas les Français comment vous faites pour vivre dans ce bordel-là, mais enfin, passons là-dessus pour l'instant. là. Donc, ça, c'est l'endroit. Finalement, et la nouvelle, c'est la suivante. Qu'est-ce qui... Quel est cet étrange nuage qui a été observé dans le ciel de la Corrèze? Donc, c'était juste pour vous euh, identifier un peu. Euh, cet endroit-là, hein. avant d'aller voir euh, la nouvelle elle-même, euh, je vais aller vous la rechercher parce qu'il y a un petit problème avec le site. Qu'ont vu plusieurs personnes dans le ciel de la Corrèze ce jeudi 11 juillet Nous avons posé la question à un spécialiste. Selon lui, il s'agit d'un phénomène assez rare, une traînée multicolore très haut dans le ciel de la Corrèze. Cet étrange phénomène a été aperçu hier dans les environs de Brive et vous avez été plusieurs à envoyer des photos à la montagne, la montagne ça doit être ce journal local, j'imagine. C'est notamment le cas de Sylvie Pou Poumo, photographe amateur. J'ai l'habitude de photographier les levers et couchers du soleil, mais cette fois-ci, en plein jour sur les hauteurs de Varets, au lieu dit le Boss, j'ai vu apparaître subitement les couleurs de l'arc-en-ciel sur un nuage sur un ciel bleu, explique-t-elle, ses couleurs se sont estompées au fur et à mesure. Vincent Assevaux de Saint-Olaire nous a également envoyé une photo en s'interrogeant. S'agit-il d'un phénomène naturel ou pas? On peut voir la photo ici, très spectaculaire. Phénomène connu, mais pas très courant. Nous avons soumis des clichés envoyés par nos lecteurs à Fabien Maury, du club d'astronomie du Limousin. Selon lui, il s'agit de nuages iridescents. Appelé aussi nuage irisé, c'est un phénomène connu mais pas très courant. Personnellement, j'en ai jamais vu. C'est plutôt sympa qu'on ait eu ça au-dessus de la Corrèze. D'après Fabien Morey, ce phénomène est normalement plutôt visible le matin ou en soirée. Ce qui m'étonne, c'est qu'il ait été aperçu en début d'après-midi. Mais je ne vois vraiment pas ce que ça peut être d'autre. On voit bien qu'il s'agit des couleurs de l'arc-en-ciel, typiques des nuages iridescents, qui sont le résultat du même phénomène mais à haute altitude sur le site Futura Planète, c'est là c'est la diffraction de la lumière solaire qui traverse les gouttes d'eau présentes euh, dans certains nuages qui provoque cette iridisation euh, apparemment La diffraction de la lumière solaire qui traverse les gouttes d'eau présentes dans différents euh, certains nuages provoque cette irisation. L'observateur peut alors voir un nuage iridescent, appelé aussi nuage hérissé. On a plusieurs exemples ici. Donc on présume que c'est ça. Mais quand on regarde celui-là, vraiment euh, spectaculaire, vraiment... Un phénomène très rare. On pense que c'est ça, on n'est pas certain. Mais honnêtement, j'en ai vu un aussi de ce même type-là l'an dernier, ici, à Laval. Et euh, c'est très spectaculaire ce que c'est. On semble expliquer que c'est ça, mais on n'est vraiment pas certain. Donc, un phénomène atmosphérique, n'oubliez pas l'affaiblissement de la magnétosphère, ces rayons cosmiques galactiques qui rentrent hein, euh, en augmentation de 19 en général. Donc, ça nous amène euh, des phénomènes atmosphériques en haute atmosphère avec les jet streams qui sont déréglés et tout le tralala à des phénomènes très spectaculaires. Je vous reviens.